suis un enfant de Mirepoix, enfin du moins quelques kilomètres, et j'ai fait toute ma scolarité au lycée de Mirepoix, au collège et au lycée de Mirepoix, mais qui à l'époque était encore dans l'ancien couvent, en plein centre de Mirepoix. Donc après le bac, j'ai passé des concours pour entrer dans une école d'ingénieurs. Il s'est trouvé que j'ai choisi celle qui était à Paris, j'ai pas fait au plus court, et c'est là que j'ai quitté la région. J'avais toujours en tête que le jour où je pourrais prendre la retraite, je reviendrai ici bien sûr, mais surtout que j'essaierai d'offrir de mon temps à des jeunes. À des jeunes, alors qu'est-ce qui m'a motivé? C'est le fait que l'Ariège est quand même très très loin, c'est au bout de la France. Mirepoix est un bassin important, un vivier important d'élèves. Et donc je me disais, ben oui, Mirepoix, il faut que j'arrive à proposer quelque chose à Mirepoix. Sous quelle forme, je n'en savais strictement rien. J'ai été frappé à la porte de mon ancien lycée, sauf que c'était la nouvelle porte parce qu'ils avaient déménagé. Et j'ai eu la chance que le proviseur de l'époque m'accueille vraiment chaleureusement, je dirais. Et m'a ouvert les portes, m'a dit, ben allez-y. Il s'agissait au départ de lui proposer des ateliers d'initiation à la robotique auprès des jeunes, en dehors des heures scolaires, et de proposer une formation au brevet d'initiation à l'aéronautique. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. On a démarré des activités un peu fixes, en particulier des programmes de conférences annuelles, 5-6 conférences annuelles sur des sujets très diversifiés, de vulgarisation scientifique, et puis une activité qui a été très très prenante, c'est de créer, parce qu'on les a créés de toutes pièces, des expositions sur des sujets bien particuliers, 400 mètres carrés, c'est gros, c'est 50 à 60 stands, 400 ou 500 panneaux explicatifs, autant d'objets, donc quelque chose d'assez lourd, mais quelque chose qui permet de faire un espèce de voyage initiatique sur un sujet donné, par exemple la télécommunication, ou quelque chose qui se veut encore plus convivial, la science et le jouet. Nous avons fêté les 10 ans de l'exposition l'année dernière, et nous en sommes rendus à presque 70 conférences, nous en sommes rendus à 9 expositions, en dehors des activités robotiques, qui sont toujours très présentes, où nous sommes chaque année au village des sciences ariégeois à Foix, après avoir été au début, mais Science Animation Toulouse ne le fait plus, on avait des expos sciences qui étaient au niveau régional puis au niveau national, et nous avions eu la chance par deux fois d'être retenus comme les numéros 1 au niveau national, ce qui nous a donné l'occasion par deux fois de faire de formidables voyages, un au Chili et un en Afrique du Sud. On a créé l'association en 2007, mais en fait, on avait démarré avant. Moi, j'ai pris ma retraite en 2001 et j'ai commencé à préparer les activités dont je viens de parler. Et nous avons créé l'association parce que pour avoir des subventions, il faut en passer par la naissance d'une association type loi 1901. Alors j'étais à cette époque-là très soutenu par la direction de la cité scolaire, les deux directeurs de Jean Jaurès et de Saint-Maurice, et par la mairie. Et donc, encouragé par tous ces gens-là, nous avons créé l'association en 2007. La dernière de l'année est une conférence qui était en gestation depuis fort longtemps et que je suis vraiment très heureux de pouvoir enfin proposer. C'est une conférence compliqué parce qu'on a beaucoup de démonstrations. C'est une conférence qui tombe très bien, d'ailleurs on l'a un peu fait exprès évidemment, à la fin de l'année parce que ça annonce les fêtes de fin d'année. Ça concerne la musique mécanique. Entendons au 18e siècle, 19e siècle surtout, la musique automatique. Donc tous les instruments automatiques. Depuis l'oiseau dans sa cage, en passant par la petite boîte à musique, la grosse boîte à musique, les orgues de Barbarie que vous connaissez, mais chose moins connue, ce sont les hauts de gamme, c'est-à-dire les pianos mécaniques, avec lesquels on est arrivé à une qualité extraordinaire de reproduction.
à une époque, les années 1920, où la radio était encore très mauvaise et le gramophone, j'en parle pas, c'était horrible pour un musicien. Et donc, c'est comme ça que le piano, les chercheurs ont été très loin pour avoir une qualité importante qui soit agréée par les interprètes. Les interprètes ont fini par signer leur rouleau sur les hauts de gamme. Ce qui est... C'est des trous, hein. Du papier, c'est le silence, et le trou, c'est la musique. Formidable. Donc du coup, c'est une longue soirée qui exceptionnellement a lieu à Dardier, à la salle Dardier, qui débute à 18h30 et qui aura lieu en deux parties, et on va couper par un buffet apéritif convivial entre les deux. La passion, c'est de transmettre son savoir, d'arriver à expliquer simplement des choses difficiles. Je crois que si je résume ce qui me passionne, c'est ça. Et ceux qui sont avec moi ont aussi ce souci-là. Et dans l'initiation à la robotique, c'est toujours la même quête. C'est-à-dire que le mot robotique, ce n'est qu'un prétexte. Certes, il y a du technique, mais par-delà le technique, pour moi, c'est donner à un élève les atouts pour savoir se défendre et être le meilleur lorsqu'il va passer des concours et en particulier éventuellement postuler pour une école d'ingénieur. Donc un projet, là on a typiquement un petit projet parce que l'élève était seul, il est à sa troisième année de robotique et il a eu comme thème, ben écoute voilà, tu connais le jeu de Nîmes, ah ben non je connais pas, donc déjà apprendre ce qu'est le jeu de Nîmes, qu'on appelle aussi le jeu de Marienbad depuis le célèbre film. Et bien, tu essaies de faire un jeu de Nîmes électronique où le joueur jouera contre l'ordinateur. Voilà. Et n'oublie pas que dans cette approche, l'aspect ergonomique est majeur. Il y a bien sûr le côté... Le côté stratégie de jeu, stratégie de gain, stratégie gagnante, mais le côté ergonomique, quand on joue, il est fondamental. Le jeu de Nîmes, c'est le jeu des allumettes. Eh bien, quand vous jouez avec quelqu'un au jeu des allumettes, vous les voyez sur la table, vous les positionnez, vous les touchez, vous les enlevez. Donc là, c'était plus compliqué. On ne peut pas mettre des allumettes, il faut simuler par des choses qui sont plus volumineuses. Mais ça n'est pas grave, hein. Le maître mot reste quand même, on doit voir les allumettes en permanence pendant toute la durée du jeu, ce qui est le cas. Et il est bien aussi d'arriver à voir qui a enlevé quoi. Donc du coup, l'idée géniale a été de dire, bon ben, quand c'est le joueur, ça va tomber de ce côté-ci, quand c'est le PC, ça va tomber de ce côté-ci. Voilà. Donc chaque joueur a en permanence une vision complète de l'état du jeu. Donc il n'y a pas du tout de hasard dans ce jeu, c'est qu'un jeu de stratégie. Donc il faut que le joueur ait en permanence toutes les données du problème pour construire sa propre stratégie. Voilà, un exemple de robotique qui a été inventé et qui donne l'occasion, ça c'est le côté un peu secondaire mais qui pour moi est très important, ça donne l'occasion à l'élève de s'entraîner à bien expliquer les choses oralement et par écrit. Ils ont, en général, avec tous les engins modernes qu'ils utilisent, les SMS, etc., ils ont tendance à écrire au plus court en style télégraphique. Ça ne marche pas. En technique, ils seront obligés d'écrire correctement. Et surtout de savoir expliquer. Acquisition du vocabulaire technique et utilisation du vocabulaire technique. Voilà, donc c'est tout ça, hein, la robotique pour moi c'est tout ça.